Eux qui pouvaient tuer, hein, mais bon, alors bref. Alors c'est de sa faute, voilà. Hein, c'est... Le gars peut pas kill et il fait sortir son c'est mec. Vrai que rétrospectivement, c'était pas smart. Ouais. J'aurais dû me sacrifier. Mais ma vie avant tout. Ok. La classique sur Paulus. Avec pas mal de tâches à droite, plutôt. Pas mal de tâches intéressantes, on va pas faire le storage en entier. On va rentrer dans le laboratoire. Voilà, je peux mourir là, un peu con de faire ça maintenant. Allez. Ok, Nema qui me tue pas, j'aime bien. Sunday qui regarde les vitals, ok. Franchement, si je mourais, ça aurait été mérité. C'est Nema. C'est vrai que Mystère, ça ressemble un peu à Mystère. C'est pas Nema, Mystère, JD. Oui. T'étais sur le télescope, il était sur ses fioles, et genre deux secondes après, tu reportes ça. Ouais, j'ai vraiment mis une demi-heure à trouver la planète, et je me disais, bah si j'étais mort, ça aurait été mérité, et là je vois un bouton report, et c'est DFG qui est mort. Ah mais il est mort sur les fioles ? Il est vraiment mort. Bah je sais pas, je termine ma tâche et j'ai un bouton report. Je sais pas s'il est mort parce pile que moi, sur les fioles. Là, j'attends depuis 4-5 secondes le SAS spécimen et il y a Armand qui vient d'arriver d'en haut se mettre sur moi. T'es rentré dans canister. Attends, là. quoi ? Je viens du scan. Bah Sunday, c'est toi qui étais dans le SAS ? Oui, justement, c'est pour ça que j'ai envie de corroborer ou invalider ton information. Bah, je pense que t'as un SAS d'avance. Moi j'étais stuck devant la porte. Ouais, you stuck, c'est bro. Côté lob, côté labo. Pas bien, hein. Okay. Vraiment, t'as un problème, hein. Et t'es sûr qu'elle est dedans, Nema. C'est un shaming, hein, bref. En fait, la queue de... Oui, donc, bon, oui. Bref. D'accord. Okay. C'est moi qui ai un problème. J'aimais bien la question, Canister, là. C'est qui a demandé ça? C'est Billy. Et bah, qui... Vas-y, repose ta question. Bah, je demandais qui était dans Canister, là. C'est moi, là, je viens de finir ma queue. Ah, moi. Bien, voilà. Voilà, donc Cassor et Billy ne peuvent pas faire le kill. A priori, Billy peut pas gamble qu'il y ait quelqu'un à cet endroit-là. Ce qui nous laisse effectivement Armand qui reviendrait d'un kill très dangereux potentiellement. Armand qui était à la boue, ouais. J'ai pas eu le bouton report en sortant. C'est ça le problème. C'est, je comprends pas si ce que tu dis est vrai, JD. Vu que DFG t'es sur ses fioles, Armand, je ne vois pas comment il a pas de bouton report. Ouais, mais imagine, Nema. Genre, tu vois la range depuis le télescope, essaye de l'imaginer. DFG peut avoir terminé ses fioles, être allé allumer les vitals et ça te fait buter à ce moment-là. Et en fait, moi, le bouton report que j'ai, bah, c'est des vitals, c'est pas des fioles. Mais du coup, Armand vient de là quand même. Non, il vient du scanner. Non, je viens de scan. Il dit qu'il vient du scanner. Donc c'est plutôt s'il est mort sur les fioles, c'est très sus justement, mais par contre s'il est mort sur les vitals, c'est tout à fait possible que Armand l'ait réellement pas vu. Et je suis désolé, j'ai pas entendu l'info du scanner, je suis désolé. Et Bribri, montez très rapidement, vous êtes où? Et Yuna, Spécimen. Je l'ai vu, je suis parti admin pour... Je fais mon download des armes, les pupilles. C'est Bribri, si jamais du coup. 100%. 100%. Je suis le mystère. Faut arrêter de tuer des FG tout le temps là, c'est pas possible. Après ça va, lui il aime bien mourir des FG. Il aime bien s'il peut parler avec sa commu et tout, voilà, c'est un streamer 100% commu, vous le connaissez. Bon, y a un monde où je meurs avant de réparer. Hein. Ça peut être Yuna qui ment sur le truc spécifique aussi. Hein. C'est aussi possible théoriquement. Monter Billy en bas. J'aime pas trop en vrai. Je pense qu'il y a du bourbiax là-dedans. Je vais pas rentrer. Ok. Trois labos, deux élec, un chaufferie. Je tente un truc.
Non, c'est con. Non, Bri-Bri, il va falloir que tu m'expliques quelque chose. Oui. C'est... Attends, mais elle est morte il y a... Bah, elle est morte il y a moins de 5 secondes et sans doute labo. SAS 2, quoi. Voilà, je vous donne l'info. Mon SAS de mon scanner, pardon. De mon scanner. Ah, okay. Redis ça, Kassar, moins de 5 secondes, quoi. En gros, on sort ensemble de spécimens, on fait nos wires dans le sas du haut, je vais sur mon scanner, à la moitié de mon scanner, elle me check, là, je viens à peine de partir de mon scanner, tu bases, elle est morte. Donc, elle est morte il y a moins de 5 secondes, et à mon avis, dans le labo encore. Dans ce cas-là, c'est pas monté, c'est pas Yuna. Oui. C'est pas Armand et c'est pas moi. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'on vient de fixer les lights et on est ressorti de la cage. Moi je suis sorti de spécimen en premier. J'arrive sur Vital sur laboratoire, il n'y a pas de mort. Il y a Bri-Bri qui arrive dans mon dos de je ne sais pas où et qui a fait demi-tour après. Oui, mais bien sûr. Mais comment, ça, mort, comment ça, Armand, il est vers les labos et toi, Nema, tu dis que vous, les lights viennent de se réparer? Non, j'ai fait labo puis après moi, j'ai fixé les lights avec Armand là. Il a même baissé. On a tous les deux cliqué sur le bouton du milieu. En gros, on est tous les trois. On est Armand, Sunday et moi-même à Spécimen. Ils sont avec un ou deux, un sas d'avance, c'est ça. Donc pour moi, il a largement le temps effectivement de rejoindre à pied sans passer par Devent. Nema Electrical, quoi. Ça me paraît globalement faisable. Bah, je suis désolé, mais. C'est quoi? C'est vous peur passing, si vous voulez en passing, c'est quelqu'un Spécie, je sors labo, je lance mes fioles, je vais sur scanner, il y a le sas qui s'active. Je sors de mon scanner, il y a Armand qui est devant moi qui se demande d'où je viens. Je vais sur Evitos, je fais mon télescope, je me casse et là je suis quasi à l'aigle. Ok, mais pardon, mais Armand, coup, pourquoi tu buzzes? Attends, hein, Armand, tu save Kassar toi sur ce kill? Non, il peut pas. Non, je peux pas. Non. Je pourrais tuer Sunday à laboratoire tout seul. Ouais, c'est ça, on s'est quitté en fait, il y a vraiment trop longtemps. D'accord, donc c'est forcément entre Kassar et Bri-Bri. J'ai buzz et parce qu'en fait j'avais. Oui, et moi éventuellement. Ah non, tu peux pas tu peux faire le kill, t'as buzz. Tu peux faire le kill et buzz en moins de 5 secondes. Ok, et en fait, j'avais peur qu'il y ait... En fait, je vois, on est à gauche. Le kill est toilette, si. Et j'avais peur qu'il y ait... Non, certes. Ah bon, ouais. Ok, bah, je dirais pas pourquoi j'ai buzz, allez vous faire. Vas-y, pourquoi t'as eu peur? Non, vas-y. J'avais peur qu'il y ait, en gros, deux imposteurs qui soient en train de faire un cimetière au labo, et que du coup, nous, qu'on est sur la gauche tranquille, et que ce soit juste si on y va, on se fait fumer. Et du coup, que la game se termine comme ça. Genre qu'il y avait déjà deux morts, et qu'on soit encore deux à y aller, et bref, voilà. Et pour moi, c'est forcément bah ouais, Bri-Bri ou Kassar, mais plutôt Bri-Bri. Non, mais c'est Bri-Bri. Mais ouais, j'ai buzz un peu en mode panique. J'aurais peut-être pas dû. Ça se fait pas. Si je retourne dans le storage maintenant et qu'un impôt est par là, je suis cuit, ça c'est sûr. Allez, je vais pas rentrer là-dedans. J'ai pas confiance en toi du tout. Ouais. Ah. Oula, ça va être compliqué. Yuna est morte il y a environ 7 secondes et Billy Chou il y a moins de 4 secondes. Donc les deux kills sont extrêmement récents, les deux se font pendant les lights. Yuna est morte à peu près au-dessus de storage. Billy Chou, j'ai aucune info, je sais juste qu'elle est morte il y a moins de 4 secondes. C'est la merde là. Il y a deux potentiels. Moi je trouve que Mister JD parle beaucoup là, faut le calmer lui. Ouais. Non, je pense que JD, il donne beaucoup d'infos pertinentes. JD, sur le T1, il peut faire le kill, mais le buzz est trop bizarre s'il est un peu... Moi, je maintiens que le timing est possible, mais il n'a pas vraiment de sens. Moi, j'ai call Nema tout au début de la partie. Bon, malgré le fait que j'étais en train de faire mes astéroïdes à côté de mes astéroïdes et que lui, t'as le bout de la map, et voilà. Est-ce que Nema, toi, après storage, là, tu fais quoi kill aussi. Je suis en train d'ouvrir la porte Telec pour entrer. Pour aller fixe. Ok. Moi, je tiens juste à dire que je suis très souvent voté impôt quand je suis crewmate, et là je suis vraiment crewmate, ne me votez pas. T'as l'air vraiment crew. De toute façon, ça va être Bri-Bri ou moi, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, pour le kill avant, a priori, c'est Ankass et moi, et puis le T1, c'est côté Nema, Armand et éventuellement JD s'il a non, ça. T'étais safe comment au round d'avant déjà, Nema? T'étais safe comment au round d'avant, Nema? Au round d'avant? Ouais. Mais clairement, parce que Light, on était avec moi sur Light. Hein. Ah oui, okay. Le kill avait moins de 5 secondes et au moment où tu buzz, on ressort de la cage avec Armand. On a eu le temps de fixer et de ressortir. Oui, donc oui. Sur le
sur le terrain, en fait, avec Sunday à ma droite dans le spécie, JD qui est rentré dans le labo avec moi et Armand qui vient sur moi sur la porte. Ça peut être Armand si, encore une fois, qu'il est à droite, mais ça peut pas être moi dans les deux cas parce que c'est lui qui me rejoint. Ah, mais je pense que c'est juste un faufilage du coup. Hein. C'est... De Bribri. Il t'a fait peur. Il a fait peur à qui Bribri là, de nouveau dans le labo là. Personne. C'est pas Armand. Armand, il était en mode, il sort de nulle part, Bribri. Ah, si, oui, autour d'Armand. C'est un mystère. Fais-toi confiance, voilà, dégage-le. C'est si sérieux, mais c'est entre les deux, c'est Cassor qui dit de dégager Bribri. Pardon de défendre. Voilà, merci. Je veux que je fasse quoi? Je savais qu'il allait prendre tous les votes, autant que je me vote. Merci pour votre confiance. Je les ai bien. Bravo. Oh, le charisme de Cassor. Okay. Encore remis là? Ok. Je sais pas si j'ai le temps techniquement de d'y aller. Ah, c'est mort. On a perdu là-dessus. Oh non. Armand mort. Attends, je suis sur ma tâche. J'ai déjà buzzé, non? Oui, j'ai déjà buzzé. Enfin trouvé! Ok. Bah, j'en ai fait le dernier endroit possible, hein. Oui, bah, toi, t'as rien fait pour aller le chercher, hein. Bah, je suis à côté de toi, tu te fous de ma gueule? Je te vois pas, j'ai pas une vision d'imposteur, moi, mon gars. Je suis au-dessus de du mot room, de boiler room, et tu viens de rentrer dans les canisters. C'est toi qui as fixé le réacteur de droite question. Non. Non, ça, je pense que c'est Cassor. Est-ce qu'il te reste une tâche montée? Non. Et toi, Nema? Ah, moi, j'ai fini depuis longtemps, mec. C'est le bidon, le deuxième bidon que tu m'as voulu faire tout à l'heure, c'était ma dernière. Je vais skip et le fantôme va se bouger le cul. Hein. Ok. Non mais attends, je réfléchis. En vrai, je vous dis ce que j'aurais voté si j'étais obligé de voter. J'aurais plutôt voté Nema. Mais... Moi aussi. En fait, je comprends pas ce report parce que là, c'est bien Armand qui a été report. Oui, c'est moi qui ai trouvé Armand Boiler. Parce Boiler, que j'ai vu qu'il c'est est mort quoi sur C'est Vitals. La pièce d'en bas Non, non, il est dans Canister. Il est Canister, pas dans Boiler. Donc c'est O2. Pardon, ouais. J'ai vu qu'il était mort sur Vitals. Nema aussi l'a vu puis il est parti 15 000 ans avant moi. Mais il n'a pas trouvé le cadavre parce qu'il a mis 15 000 ans à m'attendre pour essayer de m'imputer. Parce que j'ai cherché Weapons, Storage et Com, et que donc je suis arrivé après toi, O2. GG, t'as juste eu de la chance. Mais non, c'est surtout que t'as fait un pas de côté pour aller tuer Cassor qui était pas mort à ce moment-là. Oh, tu sais quoi, je vote monter skipper si vous voulez faire votre task. J'ai voté Nema en fait, je suis sûr que c'est lui, j'ai changé d'avis. C'est obligé que ce soit lui, mais j'ai pas osé te le dire, monter, je voulais pas prendre de responsabilité. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit juste, il invente en mode oui, t'as tué Cassor. Bah, mais si, t'as forcément tué Cassor à droite, il a raison. Oh.
Je voulais jouer avec le feu, mais je me suis dit, je vais pas compter comme un connard parce que je vais encore louper le timing, quoi. T'aurais dû faire ça. Ah, je me suis rendu compte trop tard que Nemo. C'est ma faute parce que là, du coup, ça aurait fini au round précédent. Ouais, lui, je pensais avoir lancé mes fioles et du coup. Je t'avais call depuis l'autre bout de la terre, mais je t'avais call direct. Hein. Oui, t'as donné un pseudo au hasard, t'avais une chance sur 9, bien joué. Il est aigri, votre pote, putain. Non, mais c'est pas mon pote. Au bout de 8 secondes, merci tous les bois pour le prime. Au hasard, c'est Nemo et à la fin, il flex parce qu'il a eu bon, genre. Dans mon livre, ça compte. Ouais, c'était Bribri au début. Ouais. C'était quand même lui. Mais il a eu l'intuition, il a eu le feeling, il a eu la... Voilà, il a eu le nez. Ouais, faut le dire. Parler comme un fumiste, je me suis dit hop.